Chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de Passé Présent, votre émission d'histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai, pour débuter l'émission, de la guerre des bourgs, un conflit qui remonte au début du siècle dernier. Puis Catherine Gourin nous parlera de ce qu'était la médecine au début du XXe siècle, à peu près à la même époque. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui plusieurs personnalités avec lesquelles nous allons évoquer le 8e centenaire de la fondation de l'ordre dominicain, à savoir le père Tardivy, le père de Blinière, et puis également Philippe Maxence, le directeur de la revue L'Homme Nouveau, qui vient de consacrer un numéro hors série de cette revue, justement à cet anniversaire de la naissance de l'ordre des frères prêcheurs. Mais tout d'abord, donc, la guerre des bourgs, qui passionna l'opinion française il y a maintenant un peu plus d'un siècle, à une époque où l'anglophilie n'était pas spécialement caractéristique de ce que l'on pouvait penser de ce côté-ci de la Manche, n'est-ce pas ? Guerre des bourgs, donc, qui dure d'octobre 1899 à mai 1902. Nous allons revenir sur ses origines, sur son déroulement, sur ce qu'elle a représenté à l'époque. En 1898, en effet, dans la République du Transvaal, l'une des deux républiques bourgs d'Afrique du Sud avec la République d'Orange, Paul Kruger est réélu président. Il l'est déjà depuis 1883. Il incarne tout à fait ce qu'est l'esprit de ces Afrikaners, de ces bourgs d'origine hollandaise, qui dans les années 1830 ont quitté la province du Cap, passée sous le contrôle des Anglais, et qui ont réalisé ce fameux grand trek, cette épopée qui va les mener très haut vers le nord, dans la région qui va devenir justement le Transvaal, où ils vont installer une république indépendante, une autre république, celle d'Orange, se constituant à côté. Et Paul Kruger, très populaire dans son pays, surnommé l'oncle Paul par les habitants du Transvaal, c'est un farouche nationaliste, extrêmement méfiant vis-à-vis des Anglais, et il est opposé en particulier à l'arrivée massive au Transvaal de ceux qu'il appelle les Uitlanders, c'est-à-dire des étrangers, en fait des Britanniques à une écrasante majorité, qui sont des ouvriers, qui viennent travailler dans cette région du Transvaal, où on a découvert des ressources minières colossales en or et en diamant. Et cela entraîne des difficultés, des problèmes avec la population afrikanère installée déjà depuis plusieurs décennies, une population protestante attachée à une lecture tout à fait exclusive, fondamentaliste de la Bible, et tous ces nouveaux venus qui viennent d'une Angleterre industrielle déjà, qui viennent d'une Angleterre urbanisée, eh bien, ils correspondent à des comportements, à des mentalités tout à fait différentes, et eh bien, Kruger n'apprécie pas du tout cette présence. Les intéressés eux-mêmes sont mécontents parce qu'ils ne bénéficient pas des droits civiques accordés aux habitants, aux autochtones en quelque sorte. Ils se plaignent auprès des autorités anglaises qui, depuis déjà plusieurs années, exercent une pression sur le gouvernement de Pretoria afin qu'il réforme, afin qu'il change cette situation. Le haut commissaire anglais au Cap, Sir Alfred Milner, cherche à négocier, même avec Kruger, des réformes dans ce sens. En fait, Kruger est extrêmement méfiant parce que quand il regarde la carte, ce dont il est convaincu, c'est que les Anglais installés dans la province du Cap, installés sur la côte orientale de l'Afrique australe dans la province du Natal, eh bien leur idée, elle est très claire, ils veulent mettre la main sur la République du Transvaal à cause de ses richesses en matière aurifère et diamantifère, et puis ils veulent réaliser un axe continu entre la province du Cap et puis les deux Rhodésies qui ont été créées plus au nord dans le pays Shona et le pays Matabele. Et donc Kruger voit bien venir le coup et il est tout à fait intransigeant. Il rejette complètement, il refuse complètement ce qu'on lui réclame. Il va se rapprocher de son voisin l'État libre d'Orange afin d'opposer une réponse commune, voire une résistance commune aux pressions britanniques. Pendant ce temps, en Angleterre, nous sommes à la veille de 1900, c'est un petit peu l'apogée de l'Angleterre victorienne, l'Angleterre qui vient de
l'emporter contre les mahdistes au Soudan, la victoire d'Omdurman. Donc les passions coloniales sont évidemment en complète incandescence. Le parti libéral impérialiste de Joe Chamberlain réclame une action en Afrique australe. Il est soutenu par la Cité de Londres, par les milieux d'affaires, évidemment appâté par les richesses du Transvaal notamment. Alors face à cette situation, Kruger se prépare au pire, il achète des canons, notamment en Allemagne et puis en France également. Il compte beaucoup sur l'empereur d'Allemagne Guillaume II, dont on sait que, parvenu sur le trône en 1890, il a lancé la politique qu'il a baptisée la Weltpolitik, la politique mondiale, en réaction par rapport à celle de Bismarck qui avait une dimension exclusivement européenne. Il veut que l'Allemagne soit présente partout, sur les mers, dans l'espace colonial, et on lui prête l'intention de constituer une Afrique australe à partir du sud-ouest africain allemand, à partir de l'Afrique orientale allemande qui existe déjà, une Afrique australe qui serait sous l'influence allemande. Donc Kruger compte beaucoup sur l'Allemagne impériale, il sera, on le verra, quelque peu déçu dans ce domaine. En attendant, les Anglais passent à l'action, ils vont renforcer leur position en Afrique australe, envoyer un corps expéditionnaire confié au général Buller, au début assez modeste, à peine 10 000 hommes répartis entre le Natal et la province du Cap, mais ça suffit pour réveiller les inquiétudes des Boers qui vont mobiliser immédiatement tous les hommes en âge de porter les armes, c'est-à-dire à peu près 30 000 combattants qui vont répondre à l'appel du président Kruger au Transvaal, du président Steyn dans l'état libre d'Orange. Face à cela, les Anglais renforcent encore leur position, font venir des troupes nouvelles de métropole, ce qui fait qu'en octobre 1899, eh bien, le gouvernement du Transvaal va exiger des autorités anglaises le rapatriement de toutes les troupes arrivées depuis le mois de juin et fait savoir qu'en cas de refus, eh bien, ce serait la guerre. Et comme les Anglais ne répondent pas à cette sorte d'ultimatum, eh bien, le 12 octobre 1899, les Boers envahissent la province du Cap et la province du Natal. Ils ouvrent les hostilités contre les Anglais. Et ils vont remporter d'emblée un certain nombre de succès spectaculaires. Sous les ordres de Pitt Joubert, un vieux général de 67 ans, qui d'ailleurs est malade, il mourra en 1900, qui déjà, quand les Anglais avaient lancé contre le Transvaal ce qu'on avait appelé le raid Jameson 5 ans plus tôt, s'était illustré pour faire échouer cette tentative, eh bien Joubert va emmener ses hommes vers le Natal, on va s'emparer d'un certain nombre de garnisons, de positions anglaises, et on va mettre le siège devant Ladysmith, qui est une ville frontière très importante. Premier siège donc organisé par les Boers, les Anglais isolés sur la défensive. Juste après la bataille de Richfontein, alors là les Anglais mènent la guerre selon les règles, selon les normes de la bataille rangée classique, traditionnelle, un petit peu comme ils le feront sur la Somme en juillet 1916. Résultat, face à des Boers qui sont d'excellents tireurs et munis de fusils Mauser allemands tout à fait efficaces, ça va être un carton. Les Anglais sont complètement battus, l'infanterie anglaise est complètement décimée, donc un succès pour les Boers de ce côté, vers l'est du Transvaal. À l'ouest, même chose, ils mettent le siège devant la ville, la place de Mafeking, qui est défendue par un personnage que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit du colonel écossais Baden-Powell, qui va résister d'ailleurs victorieusement au siège des Boers et qui se rendra célèbre, on le sait, pour avoir été ensuite le fondateur du scoutisme. Cette ville de Mafeking qui est importante parce qu'elle est sur l'axe qui va depuis le Cap jusqu'à Bulawayo au nord au sud de l'actuelle Rhodésie du Sud, c'est-à-dire c'est l'axe qui permet la liaison entre les colonies anglaises, la colonie anglaise du Cap et les nouveaux territoires qui ont été créés plus au nord par les Britanniques au cours des années précédentes. Donc Mafeking assiégé, Kimberley qui est assiégé également par le général Cranch, on le voit, les choses commencent plutôt mal. Cela se confirme en janvier 1900, c'est la bataille pour la colline de Spionkop. Les Anglais réussissent à s'en emparer, mais ils en sont chassés au prix de pertes très lourdes par les Boers, à qui tout semble dans ce premier temps réussir, au point que le général Cranch paraît en mesure même de marcher carrément en direction du Cap. Et cette guerre qui s'est déroulée à l'autre bout du monde, en Afrique australe, eh bien, elle va susciter les passions en Europe. L'opinion européenne
européenne va être unanime pour soutenir les Bourgs. Les Anglais, étant constituant la grande puissance du temps, de l'époque, sont unanimement détestés, et les opinions publiques en France, en Allemagne, jusqu'en Russie, sont tout à fait hostiles aux Anglais, pour ne rien dire de la Hollande, qui évidemment se solidarise avec ses anciens compatriotes que sont les Afrikaners. C'est l'époque qu'il faut rappeler en France où on vit encore sous l'effet de l'affaire de Fashoda, hein, 1898 justement. On se souvient de l'incident de Fashoda, le capitaine Marchand arrivé sur le Haut-Nil est contraint de céder face à la pression anglaise, hein, en 1898, accueilli ensuite comme un héros en France. Inutile de dire que la popularité de la reine Victoria n'était pas au plus haut, et cette guerre des Bourgs va évidemment confirmer la tendance, au point que de nombreux volontaires vont rejoindre les Bourgs. Il va en venir de toute l'Europe, des Italiens, des Russes, des Allemands et des Français, dont le colonel Villebois-Mareuil, celui qu'on va appeler le Lafayette de l'Afrique du Sud, qui va être chef d'état-major de plusieurs généraux Bourgs, avant d'être tué en avril 1900 dans ce combat en faveur des Afrikaners. Il y en aura d'autres, notamment un ancêtre du navigateur Olivier de Kersauzon, qui sera l'un des derniers chefs des commandos Bourgs qui continueront la résistance jusqu'au bout. Alors les Anglais ne sont pas hommes à se laisser faire, on le sait, ils sont capables d'une froide détermination quand il s'agit de relever la tête et de reprendre les choses en main. Alors ils vont mettre les moyens. On va envoyer sur place Lord Roberts, c'est un ancien des guerres de la frontière afghane, très populaire, le vieux Bob était-il surnommé, avec un chef d'état-major, Kitchener, qui vient de secourir de gloire à Omdurman contre les mahdistes. Le tout, ça va faire un corps expéditionnaire maintenant de 200 000 hommes. On met vraiment les moyens en effectif et puis également en moyens matériels, en artillerie, en armement. Ce qui fait que les Bourgs vont se retrouver en fait à peu près à 1 contre 5. Alors que Lady Smith, Mafeking, Kimberley continuent à se défendre, sont toujours assiégés, mais n'ont pas été prises. Alors, les combats vont redoubler. À proximité de Lady Smith, du côté du Natal, il va y avoir les combats de la fameuse colline d'Inniskilling Hill, qui sera reprise, reperdue trois fois, et finalement qui tombera aux mains des Anglais. Hein, le rapport de force est maintenant trop favorable à ceci. Du coup, la menace sur le Natal est de ce fait écartée. L'initiative maintenant est du côté britannique, d'autant que Crunch n'a pas pu développer son offensive en direction du Cap, d'où arrive Lord Roberts avec le gros ses forces. Et ce qui va se produire du fait de l'inégalité des moyens, eh bien, c'est que Crunch va finalement être obligé de se rendre avec 4000 de ses hommes face à la formidable force qu'a rassemblée Lord Roberts. Le résultat, c'est que Bloemfontein, la capitale de l'État libre d'Orange, eh bien, est prise par les Anglais. Les Bourgs sont contraints à la retraite, même s'ils poursuivent la lutte avec des moyens de plus en plus limités par rapport à leur adversaire. L'État libre d'Orange va devenir une colonie anglaise, colonie de la rivière Orange, annexée à l'Empire britannique. Puis les Anglais franchissent le Vaal, la rivière qui sépare l'Orange du Transvaal. Johannesburg est prise le 31 mai, puis c'est Pretoria le 5 juin. Les Bourgs défendent la ligne de chemin de fer qui va de Pretoria à Lourenço Marques sur la côte du Mozambique, mais c'est un combat retardateur. Le 1er septembre, le Transvaal, à son tour, est annexé à la couronne britannique. C'est la fin de la République Bourg indépendante. Le président Kruger, lui, il a embarqué à Lourenço Marques pour l'Europe. Il espère y trouver des soutiens. Il est accueilli triomphalement à Marseille, à Paris, à La Haye, en Hollande, mais c'est un accueil triomphal. On le trouve très sympathique. L'opinion est derrière lui. La presse, les caricaturistes se déchaînent contre Victoria et contre les exactions prêtées aux Anglais en Afrique australe, mais rien, il n'y a pas pour autant de soutien significatif, et surtout la grosse déception, c'est Guillaume II, qui comptait beaucoup le président Kruger et qui ne veut pas se lancer finalement cette aventure. Le malheureux oncle Paul, eh bien, il restera en Europe et il mourra en Suisse en 1904. Pendant ce temps,
temps-là, la lutte continue. Maintenant, c'est une lutte qui a pris la forme de la guérilla. Hein, il y a quelques milliers de combattants qui sont confrontés à près de 150 000 soldats anglais engagés contre eux. Hein, ce sont les fameux commandos bourgs qui, très mobiles, très rapides, vont jouer de la surprise, jouer de l'initiative, vont se disperser dans les immenses espaces du Veld sud-africain, où il est très difficile de les poursuivre et de les localiser. Hein. Quelques chefs prestigieux de l'Arrêt, les frères de Vette, commandent ces hommes-là. Ils montent des embuscades, ils attaquent par surprise les garnisons anglaises, et la lutte de ce fait donc continue. Mais ces succès incontestables restent toujours forcément limités. On est dans une guerre, ce qu'on appellerait aujourd'hui une guerre asymétrique, évidemment, dans laquelle les Anglais sont bien en peine de venir à bout de cette résistance, mais il est évident, à l'inverse, que cette résistance ne peut pas l'emporter contre la machine de guerre anglaise, d'autant que les Anglais, pour réagir face à tout cela, vont déclencher des représailles particulièrement sévères. On va incendier les fermes, incendier les récoltes, confisquer le bétail des paysans qui ont rejoint la résistance. Et puis surtout, les Anglais vont inventer à cette occasion les fameux camps de concentration qui leur seront évidemment reprochés, hein, puisque on va mettre dedans les femmes, les enfants, les vieillards, tous ceux qui n'ont pas pu rejoindre les combattants. Et dans ces camps de concentration, les conditions de vie d'existence sont particulièrement dures, et on comptabilisera à peu près 25 000 morts, soit à peu près 10% de l'ensemble de la population bourg qui va disparaître de cette manière, à la grande colère évidemment de l'opinion européenne et même d'une partie de l'opinion anglaise qui se mobilise sur cette affaire. C'est un peu gênant, on remplace Lord Roberts par son adjoint Kitchener, mais il va continuer dans le même sens, d'autant que les deux tiers de ses forces sont condamnées à des missions statiques de défense de points particuliers. L'adversaire garde toujours l'initiative. On voit même l'un des frères de Vette réaliser un raid tout à fait spectaculaire jusque dans la colonie du Cap, c'est-à-dire en plein territoire contrôlé depuis longtemps par les Anglais. Alors on établit des postes, 8000 postes, petits postes sont installés, entourés de barbelés, protégés, mais c'est une posture purement défensive qui ne permet pas de venir à bout des résistants. On fait circuler des trains blindés pour éviter que les convois ferroviaires soient attaqués, mais cela ne permet pas d'en finir. La reine Victoria meurt en 1901. Peut-être à ce moment-là que les choses vont changer. Édouard VII, son fils, semble apparaître un peu plus conciliant, mais sur place, étant donné le refus des Anglais de reconnaître, de restaurer l'indépendance des deux républiques bourgs, eh bien, la guerre dure. Et avec des succès d'ailleurs spectaculaires pour la résistance, puisque en mars 1902, de Larrey, qui est un des chefs légendaires des commandos bourgs, réussit même à capturer le général anglais Methuen, qui était l'une des personnes les plus importantes du dispositif anglais. Seulement, cette guerre ne peut pas durer éternellement, le pays est complètement dévasté, la population civile rassemblée dans les camps de concentration, et il devient de plus en plus difficile aux bourgs qui continuent le combat de poursuivre la lutte. Alors, on va reprendre des contacts avec les Anglais, on va réunir à Vereeniging sur la rivière Vaal des représentants de l'État d'Orange et des représentants de la République du Transvaal en mai 1902. Et là, les représentants des commandos, des combattants, vont voter, et à 54 voix contre 6, eh bien, ils vont accepter la paix qui va être signée le 31 mai 1902 à Vereeniging. Les bourgs ont perdu, malgré le soutien de l'opinion internationale, mais cette guerre, pour eux, elle n'est pas perdue. Ils vont la poursuivre sur le terrain politique. En 1909, l'Union sud-africaine a été constituée et elle est devenue un dominion de l'Empire britannique, au même titre que l'Australie ou le Canada, ce qui lui accordait donc une certaine autonomie. Mais un parti national s'est constitué, hein, qui conteste tout lien avec les Britanniques. Ce parti, il finira par l'emporter aux élections en 1948, hein, dirigé par le docteur Malan, et
remplacé quelques années plus tard par le docteur Verwoerd, et en 1961, l'Afrique du Sud finira par rompre tout lien d'allégeance à la couronne britannique. C'était un écho lointain de cette guerre des bourgs du début du siècle qui avait tant passionné l'opinion française de la belle époque. Aujourd'hui, j'ai eu envie de savoir ce que pensaient les médecins entre 1914 et 1920. Donc, je me suis aidée de livres de médecine de l'époque, des livres qui servaient à la formation des médecins. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a donc 100 ans, à peu près, eh bien, la médecine, c'était pas au point. Vraiment, c'était pas au point. Et au moins de ce point de vue-là, vive l'époque que nous vivons actuellement. Alors, je me suis aidée de livres qui servaient à la formation de médecins. Et c'est très, très curieux. Le premier livre que j'ai étudié a été publié en janvier 1914. Et le médecin en chef qui donnait ses cours était extrêmement narquois sur les microbes. Il écrivait « Dans les dernières années, on a fait jouer un rôle considérable aux microbes dans le développement des maladies infectieuses et contagieuses. Ces idées sur les microbes ont conduit les médecins à pratiquer une thérapeutique désastreuse. » Ça, c'est l'hygiène, la thérapeutique désastreuse. Pour se préserver de ces ennemis invisibles, on édicte une foule de précautions hygiéniques qui rendent l'existence pire que la maladie que l'on redoute. Donc, il vaut mieux ne pas être trop propre, quoi, en gros. Les maladies font les microbes et non pas l'inverse. Le seul moyen de se préserver des maladies infectieuses, c'est de donner à l'organisme une constitution solide par un régime alimentaire. Et en fait, un dixième des cours de médecine de 1914, c'est surtout des conseils de régime. C'est un régime absolument attristant. Alors en gros, tout est interdit. Hein. Le vin, le café, le thé, le chocolat, déjà, bon, ça commence mal. Tout ce qui est épices, vinaigre, condiments, alors là on a l'impression que les fines herbes c'est un poison terrible, en fait tout ce qui est considéré comme échauffant. À côté de ça, ils ont droit au gibier, quand même curieux. Alors on n'a pas droit au riz sauf en soupe de riz ou soupe de pain, ça te fait pas terrible, terrible comme régime. Je ne sais pas si on vivait plus longtemps, mais comme dit l'autre, la vie devait sembler beaucoup plus longue. Alors la première des maladies de l'époque, et là je redeviens sérieuse parce que c'était une horreur, c'est la phtisie, la tuberculose. Eh bien, on a fait des progrès, bien sûr, depuis la Hennec, qui avait réussi à entendre, grâce au stéthoscope, à entendre les râles caractéristiques de cette épouvantable maladie. Vous savez que la tuberculose, ça fait ce qu'on appelle des tubercules, puis des cavernes, c'est-à-dire que ça creuse des trous dans les poumons. Et en 1882, un Allemand, Robert Koch, a isolé le bacille qui porte son nom. Il va avoir un prix Nobel de médecine tout à fait mérité en 1905, mais même ça, c'est encore contesté en France. On dit, oui, d'accord, bacille, mais enfin, non, la phtisie, c'est héréditaire. Or, non, la tuberculose n'est pas héréditaire. Ce qui se passe, c'est que c'était très contagieux, et donc dans une famille, quand un membre était touché, il est probable que s'il était marié et que sa femme était enceinte, et bien le bébé naissait évidemment porteur de la tuberculose aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la tuberculose en 1914? Il n'y a pas grand-chose. On donne de la poudre alcalino-phosphatée, qui est une sorte de plâtre à prise rapide, moi je dirais ça comme ça, dans le but de calcifier les cavernes. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et le reste, eh bien, c'est ce qu'on connaît, la luminothérapie, les sanatoriums, le bon air et un régime. Alors là, ils ont droit à de la viande rouge pour donner des forces. Quand la toux est trop déplaisante, envahissante, on donne de l'opium pour calmer la toux. Et puis sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. L'huile de foie de morue, voilà, des conseils de bon sens, une vie calme, au grand air.
Il faut attendre après la guerre pour se dire, pour la tuberculose, c'est surtout un problème de contagion épouvantable. Et alors là, il y a une étude dans les livres de médecine de 1920, hallucinante, sur la répartition des tuberculeux. Alors on se rend compte que c'est plutôt des professions qui sont à risque. Par exemple, blanchisseuses. Les blanchisseuses sont très à risque parce qu'elles travaillent plus ou moins dans un endroit sombre, humide, mal ventilé. Les verriers sont très à risque aussi parce qu'ils soufflent donc du verre, enfin, dans un outil pour souffler le verre, mais ça passe de bouche en bouche et donc la contagion est terrible. Bien sûr, les instituteurs qui ont parfois des enfants même contaminés. On se rend compte qu'au couvent, il y a énormément de tuberculose. Il n'y a qu'à penser à Sainte Thérèse de Lisieux, ils étaient toutes tuberculeuses dans ce couvent. Et il y a un article qui m'a amusée, c'est le risque des hôtels et des hôtels chics parce qu'il y a des rideaux. Et quand il y a des rideaux en brocart, c'est un nid de contagion terrible. Donc le conseil, c'est d'éviter d'aller à l'hôtel parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas eu un tuberculeux avant, c'est vrai, et surtout d'éviter les rideaux d'hôtel et les couvre-lits d'hôtel. Cela dit, la tuberculose, vous savez, ça revient. Hein, ça s'était quasiment éradiqué. Il faudra attendre 1921 pour avoir les premiers BCG, mais ce n'est pas forcément une maladie qui a totalement disparu avec les mouvements migratoires que nous connaissons maintenant. Fin de la parenthèse. Sinon, en 1920, ils ont regardé de très près d'où venaient les tuberculeux. Alors, c'est souvent des provinciaux. Et par exemple, dans les Côtes du Nord, alors la Bretagne est un nid de tuberculose, les provinciaux qui restent sur place, eh bien, on n'a que 44 morts, mais pour le même village, ceux qui sont allés à Paris, on en a 89. Donc le provincial tiré de son milieu qui va à Paris meurt de la tuberculose beaucoup plus vite. Et la description, j'allais dire, la plus terrible du tuberculeux, celui qui va à coup sûr attraper la tuberculose, c'est un Breton roux, avec des épaules étroites, et qui est instituteur. Alors là, il n'a aucune chance, celui-là. L'autre maladie qui faisait des ravages, c'est la syphilis. Alors la syphilis, c'est plutôt récent, c'est une maladie qui a atteint l'Europe au XVe siècle, venant du Nouveau Monde. On sait que même François Ier a été touché. Le tréponème pâle a été identifié en 1905, donc ça c'est su hein, dans les livres de l'époque. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le mercure, les sels mercuriels, on sait que c'est terriblement dangereux le mercure et que si on ne mourait pas de la syphilis, on mourrait souvent du mercure. Et un peu plus tard, à partir de 1905-1907, les arsenicaux. Alors on a beaucoup de produits à base d'arsenic et en particulier un produit qui s'appelle le 606 et qui est un arsénobenzole qui est en fait, j'allais dire, un cicatrisant pour les chancres de la peau, mais ça ne guérit pas en profondeur la syphilis. Sinon, il y a quelque chose, alors là, accrochez-vous, c'est très déplaisant comme idée, un crayon mercuriel qui est fait en beurre de cacao et mercure, que les malheureux hommes atteints de syphilis devaient s'enfoncer dans le sexe, je préfère pas imaginer ça, dans le sillon balano-prépucial. Et comme le beurre de cacao fondé, ça allait un petit peu partout, vous voyez, donc voilà, il mourrait quand même. Hein. Il mourrait quand même, on pense que c'est héréditaire, la syphilis, là aussi, c'est pas vrai du tout, hein. C'est simplement transmis à l'enfant par la mère. Et qu'est-ce qu'on conseille? Eh bien, toujours du repos, bon, ça peut pas faire de mal, et le fameux régime sédatif, ce fameux régime où on a droit, en gros, à de la panade, des tisanes, et c'est à peu près tout. Un dernier mot sur le cancer, qui n'a pas l'air de les interroger plus que ça. Hein. Ils sont beaucoup plus inquiets des angines couéneuses que du cancer. Alors le cancer, ils pensent que ce n'est pas héréditaire, mais que c'est contagieux. Et que donc, si on s'occupe d'un malade cancéreux, on peut tout à fait attraper le cancer en lavant ses draps, etc. Et ils pensent surtout que l'origine vient du sous-sol et que le bassin parisien, qui est crayeux, est un réceptacle de cancer.
Et, alors c'est assez hallucinant, c'est très sérieux. C'est en 1920, il faut éviter les villages qui sont près de bassins d'eau stagnante, réceptacles de cancer, les sols humides, et puis surtout tout ce qui est moisissure. Donc il faut laver très bien les salades, c'est ce que j'ai retenu. Bon, on peut toujours laver très bien les salades et les fruits crus, ça fait pas de mal. Contre le cancer, je suis pas sûre que ça marche. En 1920, il y aura ce qu'on appelle la fulguration, et puis les premiers essais de traitement au radium contre en particulier les cancers du visage. Bon, alors on a des photos terrifiantes avant, après. C'est vrai que ça va mieux après, mais je ne suis pas sûre que ces malheureux aient eu une espérance de vie très longue. On n'est pas si mal quand même dans notre 21e siècle, au moins au niveau de la médecine. Nous allons évoquer le 8e centenaire de la fondation de l'ordre dominicain. Oui, alors il y a une dimension dans l'histoire de l'ordre dominicain à laquelle je crois vous êtes très attaché, c'est tout ce qui concerne l'activité missionnaire, hein, qui est quelque chose d'assez nouveau finalement au 13e siècle. On retrouve ça aussi d'ailleurs chez les franciscains. Et pour les dominicains, ça va devenir en quelque sorte une marque de fabrique particulière. Mais on voit par exemple chez les franciscains qu'eux-mêmes vont aller vers le Maroc et puis aussi vont se diriger vers le Moyen-Orient. Oui, mais il faut voir aussi que par les papes d'Avignon, il y a tout un regard de l'Église à ce moment-là sur tout le Moyen-Orient. Et c'est le pape lui-même qui va inciter aussi les frères prêcheurs à se rendre notamment par exemple en Arménie. Ouais. Il y aura un rôle très important, aller vers les églises chaldéennes, et même, il faut dire que, justement, dans tout ce qui est Mossoul et tout ce qui est Bagdad, il y avait une sorte de diocèse latin, dit de Chine, même si l'évêque n'habitait peut-être pas en Chine, mais pour vous dire le regard qu'il y avait sur l'Orient et l'Extrême-Orient. Et donc, même donc, si les franciscains eux-mêmes vont aller dans cette prédication populaire, telle qu'ils ont dans la vue de la pauvreté de partager, dans la vie mendiante des dominicains, le pape va leur demander non seulement d'aller auprès des différentes églises et cultures, mais d'apprendre les langues, parfois même de prendre l'habillement des communautés pour pouvoir aller discuter avec les personnes, comme cela s'est fait justement pour discuter avec les gens de l'hérésie dans le midi de la France, pour comprendre de l'intérieur comment on peut discuter et aller plus loin, mais aussi vis-à-vis des églises. Parce que le souci de la papauté d'Avignon, c'est d'aller vers une église une, que de la séparation, au contraire, et on puisse s'unir, et pour s'unir, il faut se connaître mutuellement. D'où cette ouverture aux différents rites, aux différentes langues. Et ça, ça a été un contexte très important. Il y a eu la Terre Sainte, mais la Terre Sainte ne fait partie qu'un ensemble par rapport à tous ces pays du Moyen-Orient. Nous avons fait un numéro spécial sur le 8e centenaire. Il y a un article remarquable de Jacques-Charles Gaffiou, 8 siècles de présence dominicaine à Mossoul. Alors c'est ça. Et un de nos frères était récemment au Kurdistan pour soutenir les réfugiés chrétiens de Mossoul. Alors, de Mossoul. Père de Blinière, vous évoquez ce numéro spécial. Voilà, Sedes Sapientiae. Pour les auditeurs. Sedes Sapientiae. Voilà, Sedes Sapientiae. Ils vont sur le site Chemereux. Chemereux.org et ils trouveront la revue. Donc c'est intéressant de voir en effet que les Dominicains avaient également une relation particulière avec les Arméniens, à tel point qu'il y a eu la congrégation des frères pèlerinants qui était très spécialisée dans les rapports et l'implantation avec les Arméniens, mais également avec tous les Syriaques et les Chaldéens. Les Chaldéens et leur élan missionnaire les a conduits jusque dans chez le Grand Camp, l'époque où il y avait des rapports avec les Tartares. Comme les franciscains, voilà, comme les franciscains, les Rubrouk, au plan Carpin. Mais le père a eu raison de souligner l'aspect d'orientalisme au sens ancien du terme, à savoir l'étude de l'hébreu, du l'araméen, de l'arabe, a été dès le début de l'ordre, en Espagne en particulier. Oui, parce qu'on privilégiait l'étude.
le combat intellectuel. Et pour discuter à partir des documents. Par exemple, vous avez dans les livres de Mossoul, qu'on a pu sauver, vous avez même des Corans où on voit que ça a été commenté pour pouvoir discuter. Donc vous voyez, l'étude a approfondi vraiment. Ricondo de Monte Croce, on parle dans ces fameuses lettres. C'est très touchant. Ricondo de Monte Croce, c'est la figure principale, justement, de cette activité missionnaire. C'est un des missionnaires qui se trouvait à Bagdad au moment de la chute de Saint-Jean d'Acre. Et comme il était très désolé, il a écrit à la Sainte Trinité, à la Sainte Vierge, à Saint-Dominique, à toute la cour céleste, pour exprimer un peu le job dominicain de l'époque. Et en même temps, il décrit toutes ses pérégrinations, ses rapports avec les populations locales, avec en particulier les jacobites et les syriaques, et également certains musulmans avec qui, sous la botte tartare, on pouvait discuter, parce que disons, les rapports étaient peut-être plus facilités par cette oppression commune qui faisait qu'il y avait des échanges, et c'est tout à fait passionnant. Voilà, tout à fait passionnant. Alors, quand on évoque évidemment l'histoire de l'ordre dominicain, on pense bien sûr à certaines figures particulièrement célèbres. Alors, on peut penser à Savonarole, par exemple, mais on pense aussi bien sûr à Thomas d'Aquin, le grand penseur du XIIIe siècle, qui a cherché à réconcilier donc la raison et la foi. C'est donc lui aussi un dominicain. Ah, tout à fait. Mon père, c'est vous qui attaquez le premier. Non, sinon engagé. Ouais, écoutez, ça, pour moi, j'ai du mal à en parler parce que je suis tout à fait. Vous êtes un spécialiste de la question. Pour moi, c'est une séduction totale. Enfin, saint Thomas d'Aquin, même sa personne, son type de sainteté. Et figurez-vous que j'ai été agnostique, même athée, disons, pendant 5 ans. Et je crois que la rigueur thomiste a pour moi été un signe de crédibilité, un motif de crédibilité. D'accord. J'ai fait ma thèse sur la saisie de l'être chez saint Thomas. Et c'est frappant, saint Thomas, je crois que c'est Jacques Maritain qui dit « Jamais autant de lumière n'a habité dans un cerveau humain ». Il y a une espèce de sympathie avec le passé, un esprit de piété filiale, un peu comme Aristote étudiant tous les anciens pour avancer. Mais il illustre tout à fait la phrase d'un scolastique de l'école de Chartres. On voit plus loin, mais on est plus petit, on se monte sur les épaules des géants. Et alors quand on lit saint Thomas, on est pratiquement dans la patrologie grecque. C'était le scolastique qui cite le plus les Grecs. C'est vraiment un homme qui recueille tout l'héritage, en particulier saint Augustin, Boèce et le pseudo-Denis, donc ce qu'on a appelé les trois précepteurs de l'Occident chrétien, et qui fait une synthèse ouverte à d'autres progrès, mais qui, dans ses grandes lignes, est vraiment un acquis décisif, comme le chant grégorien et comme les cathédrales gothiques. Enfin, oui, on peut aussi ajouter que c'est pour ceux qui étudient saint Thomas de près, c'est vraiment une libération pour l'intelligence. Ça lui donne énormément de souplesse et pas juste des conclusions, mais lui apprend à cheminer vers le réel et vers la vérité, de manière à ce que l'intelligence se déploie complètement par rapport aux diverses facettes du réel. Et je crois que saint Thomas, de ce point de vue-là, reste un maître, comme on aime à le dire, mais un maître vraiment actuel, qui permet aux disciples d'aller pas plus loin que saint Thomas lui-même, mais d'approfondir les choses. C'est ce qui m'a frappé, justement, que en étant à Toulouse, arrivé à Toulouse, où j'ai fait le noviciat et les études, de voir que l'école qu'il y avait, et dont la revue thomiste, eh bien vous aviez les petits frères de Foucault, de Jésus, les sœurs de Foucault, qui aussi venaient prendre, n'est-ce pas, les cours à l'école de saint Thomas, et où j'ai connu Maritain à cette occasion, voilà, comme le seul choix. Et en même temps, j'ai été frappé, puisqu'on a ramené à ce moment-là, lorsque j'ai fait profession simple, le corps de saint Thomas à l'église des Jacobins, lui-même, Toulouse, n'est-ce pas, le corps avait été amené, puisqu'il n'est jamais venu vivant à Toulouse, mais le pape à l'époque a dit que l'église qui était digne de l'accueillir, c'était l'église des Jacobins à Toulouse. On peut toujours voir son tombeau. Et de voir que la population, les petites gens, à ce moment-là, sont venus le vénérer et le vénèrent toujours. Il est un grand maître pour la pensée, mais aussi il marque les gens de la population, les petits gens. Oui. C'est sur l'évocation de cette figure exceptionnelle dans l'histoire de l'ordre dominicain, donc celle de saint Thomas d'Aquin, que se termine cette émission. Merci beaucoup de tous les éclaircissements que vous nous avez apportés sur l'histoire de cet ordre qui a correspondu à une époque particulièrement brillante de l'histoire de l'Église.